Je m'appelle Assalé Raymond. Je suis RC Relais Communautaire. Mon travail, c'est de sensibiliser les producteurs de cacao. ICI a contacté Copara, formé des agents au niveau de Grand Yapo, à Beauville. Moi, Assalé Raymond et mon collègue Haché Yangba Clément. Lors de notre formation, ICI nous a prodigué des conseils, surtout au niveau du travail des enfants. Puisqu'on a la liste des producteurs, à chaque ménage se rend, j'explique comment il doit lutter contre le travail des enfants. Qu'est-ce qu'il doit faire pour protéger les enfants? Quels sont les travaux que l'enfant doit faire et quels sont les travaux qu'il ne doit pas faire? En plus de cela, nous visitons les champs pour aller expliquer les bonnes pratiques agricoles et le travail des enfants au village, et on leur fait savoir que la place de l'enfant n'est pas en bourse, mais la place de l'enfant, ça se trouve à l'école. Le travail qu'on avait effectué au niveau des producteurs, il y a certains noms qui bénéficient du projet ENESA. Lors d'une réunion avec les producteurs et les enfants, pour venir expliquer la nécessité du projet ENESA, comment donner des portables aux enfants, comment ils doivent les utiliser pour pouvoir aller à l'école. Nous, en tant que RC, le jour qu'on a remis les portables aux enfants, je passe dans chaque cours des producteurs. À ceux à qui ils ont reçu le portable, je les explique. Voici comment on utilise le portable. On essaie d'encadrer les parents et sensibiliser les enfants aussi. Avec l'arrivée du projet ENESA, on voit que ça a beaucoup aidé ceux dont ils ont reçu le portable. C'est notre rôle au niveau des Grands Yapo, c'est son des Grands Yapo.